Salut à tous, c'est Thomas Sassad. On se retrouve pour une vidéo. On est sur Bus Simulator 21. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc c'est parti, là j'en fais une. Donc voilà. Donc ça fait un petit moment que Bus Simulator 21 est mise à jour. Voilà, faut qu'on en parle un peu. Hein. On fait le même trajet, donc ligne 1, direction Astra Park. On va jusqu'à l'arrêt Stanley Quest. L'arrêt White Spock, je crois que c'est un truc comme ça. Donc il y a des nouveautés sur Bus Simulator 21, il y a un tram. On ne peut pas encore l'utiliser, le tram, pour le moment. Il arrivera en novembre, normalement, pour descendre, puisqu'on les bus scolaires en juillet vont en août. Il y a des nouvelles interactions. Ah oui, merde, j'ai coupé l'arrêt comme un con. Merde. Oh là là, le con. En même temps, je suis en train de parler. Donc, désormais, en fait, au niveau des PNJ, c'est mieux comme avant, où il y avait plein de PNJ dans le désert, par exemple, enfin, pas le désert, mais la campagne. Désormais, vous aurez plein de gens en fonction de où vous êtes et de l'heure. C'est-à-dire que pendant l'arrêt où on va arriver, vous allez voir, il y a très peu de personnes. Alors que quand on est le matin, il y a plein de monde. Et quand il est 10h ou 13h, il y a très peu de monde. Et ça dépend de l'heure et ça dépend aussi de l'arrêt où il se trouve. Ça, je trouve que c'est une belle, très belle nouveauté. Il y a aussi le train qui est revenu dans ces Sai Valley. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas un feu de tram. Pas de feu de tram. On peut le voir passer parce que là, il y a un petit pont. Il y a un petit pont. En tout cas, voilà. Il y a une option et c'est le trafic, je vous la montre. Ça fait. Ah, ça va marcher. Ça fait des spawns, les véhicules et les bus. On les fait des spawns. C'est ok, aucun embouteillage. Non, ça n'a pas marché. Voilà. Il y a aussi les objets oubliés. Donc là, il n'y en a pas. Mais voilà, il n'y a pas d'objets oubliés. Mais en fait, c'est comme un bus de temps, il y a des objets oubliés. Et on doit les récupérer. Bon, on a besoin de les ramener aux personnes. Et vous pouvez contrôler les personnes quand ils sont en train de marcher dans le bus. Pas besoin d'attendre qu'ils soient assis. Enfin, ça, je trouve que c'est une bonne nouveauté. Et heureusement, parce que c'était n'importe quoi. Donc voilà, et à Sai Valley pour le tram, il y a des arrêts de tram qui ont été ajoutés. Donc si vous êtes à Angel Shore, il y a des arrêts de bus. Donc les trams utilisent des arrêts de bus. Par contre, si vous utilisez, par exemple, dans Sai Valley, les trams s'arrêtent aux arrêts de tram, non aux arrêts de bus. Voilà, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent aux arrêts de tram. Voilà. Il y a des enfants dans Bus Simulator 21 maintenant. C'est trop bien. Bon, ça va, on va arrêter de faire n'importe quoi. On va tourner. D'ailleurs, les PNJ peuvent klaxonner maintenant. Voilà, c'est une nouveauté. Vous savez, c'est des choses débiles qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et ça, voilà, je remercie Astragon d'avoir mis une fonctionnalité, cette fonctionnalité. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est passé le PNJ. Allez-y monsieur. Allez-y, je voulais. C'est lui qui doit passer. Il a la priorité normalement. Donc on est dans le Crealis Neo 18. Voilà. On est sur la ligne 1, je vous dis. Voilà, j'ai pas racheté de nouveau bus. L'itinéraire, j'ai refait l'entreprise depuis les itinéraires, mais je prends le plus que j'ai fait. Je crois que j'ai modifié l'itinéraire de la ligne 1, je crois, entre temps, la ligne 2, la ligne 3, peut-être la ligne 4, je crois. La ligne tram, moi je l'ai supprimée parce que forcément je vais la recréer quand il y aura le tram. Voilà, c'est un peu logique. Et j'ai vendu j'ai vendu le Citaroca et j'ai vendu les Citaro Capacity L et Capacity parce que en fait je me servais pour le tram. Je sais plus. J'ai plus que des Citaro 530, Citaro. On a le bus scolaire, on a les Citaro là, et toujours mon bon vieux Urbanway, ainsi que notre Cropsway Line 12 mètres, il n'existe pas en 18 mètres malheureusement. Bon allez, on arrive en ville, voilà, on entre dans le centre-ville de Sainte-Sainte-Vallée. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté, c'est que désormais les PNJ ils peuvent payer par carte bancaire. Comme ça, en fait, si jamais vous avez la flemme, levez le tram. On peut rentrer dedans, mais je ne peux pas le conduire. J'ai acheté le Season Pass, donc forcément, je vais acheter le tram gratuit. Le petit tram. Voilà. Comme je disais, maintenant, ils peuvent payer en carte bancaire les PNJ,
Il y a une petite nouveauté, alors je sais pas si on l'aura dans cette vidéo, mais... Ah bah voilà, la nouveauté. Donc là en fait, les personnes peuvent vous demander un renseignement pour vous dire est-ce que le bus dessert la ligne dessert tel arrêt. Donc là l'arrêt, enfin le bus, la ligne 1, est-ce qu'elle dessert l'aéroport? Si vous mettez oui, ça me rapporte des points. Si vous mettez non, ou si vous mettez ignoré, en fait, ignoré c'est comme si vous foutez un vent quoi. Bah vous perdez des points. Et afficher la carte, c'est pour vérifier si vous désert bien l'arrêt, c'est vous savez. Pas l'arrêt. Ça, voilà, c'est pas mal. Il manque juste quelque chose, il y a toujours le bug des feux tricolores. Bon là il y a les rails, mais bon, vous connaissez, on peut pas les emmener n'importe où, alors on les trappe. Donc du coup, toujours les feux buggés, hein, les feux comme vous aviez orange, vert, tout de suite rapidement. Il y a quoi d'autre aussi, je sais plus trop il y a quoi. Les bus désormais à Save Valley tombent bien, ils roulent plus sur le trottoir, c'est un peu obligé. Mais si t'as roulé 530, auquel les conducteurs, quand ils roulent, ils savent pas conduire, ils conduisent plus. Ça a été corrigé celui-là. Par contre, je ne sais plus. Et merde, j'ai encore pas un arrêt. Je ne sais plus ce qu'ils ont mis à jour. Après, ouais, les bus aussi, quand ils tombent, vu qu'ils tombent, ils roulent plus sur le trottoir, des fois ils se prennent le poteau sur le côté gauche. Quand ils tournent à gauche, une fois ça, c'est sympathique. Donc, voilà. Ah oui, il y a un bug. Bah, vous allez le voir en quelques secondes. Bon, regardez les boutons, là, ils sont là, les boutons de bus là. Rien, ils vont clignoter tout seul. Voilà, c'est un bug. Sinon, ils ont rien corrigé d'autre. Ils ont rien corrigé d'autre. Voilà. Ouais, les personnes qui décident de descendre, qui sont pas vraiment à l'arrêt, c'est pas corrigé. Il n'y a toujours pas la fonctionnalité où ils doivent courir pour attraper leur bus. Vous inquiétez pas, je vais les montrer, les arrêts de trappe. Alors, ils sont pas affichés sur la map, malheureusement, parce que les trappes, on les a pas encore. On peut monter dans les trams, mais on peut pas encore les conduire. Donc voilà, on peut les conduire quand il y aura le DLC. Si vous avez acheté Season Pass comme moi, vous aurez le DLC tram automatiquement lorsqu'ils seront disponibles. Idem pour les bus scolaires. Voilà, on va tourner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et aussi à partager la chaîne. Voilà. Ok, donc on est à cet arrêt. Il y a un Batman Way devant nous. Et aussi, il y a un petit bug qui a été corrigé, c'est que désormais, quand vous roulez comme moi, comme je suis en train de faire, il est beaucoup plus compliqué de rattraper le bus qui est devant nous, sur une autre même ligne, sur la même ligne. Ça, heureusement, c'est bon. Par contre, il y a un bug, alors moi j'ai vraiment ça va pas. Il y a un bug, c'est que des fois, il n'y a pas de bus, là derrière, il y a le bug, il n'y a pas de bus dans cette direction, là, pendant un petit moment. Comme vous pouvez le voir, le bus, il est là. Mais, enfin non, il n'est pas là, mais voilà, enfin, il y a un petit bug, et après ça se met dans le sens, ça se fait deux fois, ça le fait deux fois, enfin une fois à 10h, une fois à 19h, dans le jeu, hein, dans la vraie vie, donc ça c'est chiant, mais c'est pas moi qui fait ça, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Ah, nouveauté, désormais quand il y a une voiture qui peut rester au feu, donc elle sonne, et la voiture elle passe, tu vois, ça c'est une nouveauté incroyable. Donc je dis, bah il y a des enfants. Ça c'est un des écrasés parce que les écrasés ça fera que je prenne de là. Et ça c'est un arrêt de tram qu'on peut voir. D'ailleurs il y a un arrêt de tram. Voilà, oula. Donc voilà, c'est un arrêt de tram. Donc normalement bus simulator et tram simulator c'est deux jeux différents, c'est deux trucs, c'est un truc différent. Mais bus simulator, c'est la première fois que dans un jeu de bus on va voir des trams. Voilà. Les trains c'est improbable. Bah oui, il y a des trains, mais là, mais c'est pas train simulator, donc voilà. Par contre, on a bus, on a besoin d'avoir des trams. De toute façon, après, tram, bus, c'est un peu la même chose, on va dire. C'est juste que le tram, c'est juste ce qui est différent, c'est juste que c'est... Il roule sur des rails, mais il a peut-être des perches. Bon, le tram, là, il n'a pas des perches, hein, le tram, il n'y a que des rails, il n'y a pas de perches pour les rails, enfin, pour le tram. Bon, bus, c'est bon, là, tôt. D'ailleurs, les trams sont de retour, je l'espère. Je vais désactiver un petit Discord, bah, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop, bon, on part. Et oui, là, on est à peine à 55 secondes. Depuis tout à l'heure, je suis en train de passer les arrêts très vite. Alors que là, si j'aurais fait ça avant la match, je pense que. On serait à environ 5 minutes d'avance. Là, on est gagnant, on est content. C'est vraiment bon. Voilà. Un petit Urban Way tous. Franchement, c'est comme ça.
Ah si, j'ai loupé un arrêt, mais pourquoi il m'a pas dit j'ai loupé l'arrêt, wesh. Ah bon, ça fait 3 fois que je loupe des arrêts, hein. Je crois que ça fait 2 fois en vidéo que je fais ça. Hein. La première fois je l'ai fait, c'était... c'était la dernière vidéo que j'ai faite, je crois. Sur plus mettre en tag que je mettrai en description. Mais je crois que là, alors ça fait la deuxième fois que je loupe les arrêts. On va éviter de louper les arrêts, c'est... Voilà. Ah oui, sachez que les bus, enfin les bus, pas les bus qui demandent, mais quand les clients ils demandent, ils sont pas obligés de demander par la porte avant, ils peuvent demander par la deuxième, troisième porte, quatrième porte. Pour monter à la quatrième porte, ils viennent vers vous. C'est juste pour les tickets, ils viennent, il faut qu'ils viennent à la première porte. Mais les clients vont demander, et en général, ils peuvent demander un ticket aussi. Mais ils viennent de la deuxième, troisième, quatrième porte, par exemple, ils viennent toujours vers vous. Ouais. C'est. Voilà. Mais la méthode anti-triche. Pour la première porte, hein, je crois, avec les demandes, mais c'est pas grave, les tickets, ça marche. Donc voilà. Bon, bah, on va continuer, hein. On va aller à Center Station. Et ouais. Mais je ne vais pas pouvoir retourner là, parce qu'il y a les voitures qui commencent. Voilà. Non, parce que je suis en crise, c'est 18, donc c'est un bus articulé, forcément. Je vais aller un peu sur l'autre voiture. Sinon, la voiture, bravo, par contre. Voilà. Alors il y a un petit bug aussi, et toi et moi j'ai mon entreprise. What? Attends, c'est 50 km/h, je roule à peine à 30, généralement. En plus en 50 €, c'est comme si je roulais à 100. Donc, il y a des petits bugs dans le bus moteur 21. Donc là, il y a un bus, je vois plus où. Et où est-ce qu'il est? Oh là là, il est sous la map, dans le bâtiment. Je sais pas ce qu'il fait. Donc il y a un bug à cet endroit-là, les bus ils n'arrivent pas à sortir en fait, c'est un bug d'arrêt. Et je sais pas pourquoi, mais tous les bus collés, c'est pas aussi. Le véhicule modé, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps ici. Voilà, j'ai eu un petit problème avec la manette. Attends, j'ai un petit problème avec la manette là, attendez. J'ai eu un petit problème avec la manette. Attendez, ouais. Attendez, petit problème avec la manette, on va résoudre ce problème. Enfin, j'ai résolu le problème et maintenant faut que je recule, quoi. Ah, putain. Attends. On va reculer. Ah, attendez. Attends. On va faire un truc. Bon, faut que je fasse passer l'articulation. Voilà. Ah, putain. Voilà, faut que je fasse passer les bench à celui-là. Ah. Ça va être arrêter. Voilà. Hop. Ah. Je peux avancer le bus. Ah c'est bon. Il était coincé. On va s'arrêter là. Tac. Allez, descendez les clients. Par contre, il m'a pas mis arrêt. Non, vous êtes arrêté correctement à l'arrêt. Attendez. Il y a personne. Parce que c'est mauvais, là il y a un petit bug, mais le bus il peut pas passer, en fait c'est un bug et surtout il y a une nouvelle mise à jour qui a corrigé ce bug, voilà, enfin qui a corrigé un peu le bug, mais bon bah voilà, c'est pas de ma faute, c'est... D'ailleurs, ici, suite à des bugs, de spawn, d'accidents de bus, ils ont déplacé le garage qui était ici, là où il y a le parking, il a été mis ici, donc le bâtiment qui est là, ça a dégagé, et ici ils ont mis un parking à la place, donc ils ont déplacé le garage. Voilà, surtout pour les BMG, après pour vous c'était pas trop dérangeant. Voilà. C'était pas trop dérangeant, je vais prendre la souris, hein. On la voit. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé. Voilà. Allez, j'espère que le feu va passer au vert, Ah oui, alors j'ai pas mis les essuie-glaces, en temps réel je les mets, mais là je les ai pas mis parce que pour bien la vidéo, parce que sinon vous allez rien voir du tout. C'est pour ça que je les ai pas mis, les essuie-glaces. Voilà. Oh putain, le feu long, bonjour. Oh putain, j'ai... Bah, trop tard. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. J'ai avancé, c'est pas grave. Ah bah, il m'a pas compté que j'ai grillé le feu. J'ai de la chance. Vous voyez, il y a toujours le bug des feux, il passe pas tout rouge, alors il passe tout rouge à un moment. C'est, voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Allez. Voilà. Des fois il y a plein de gens, et encore plus qu'avant, des fois il y en a trop.
Ah, mais il y a plein de gens qui aiment bien. Victory Road. Victory Road. Bon, allez, on y va. Oh putain, mais d'où elle vient la voiture, wesh? Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas, la voiture, je te dis, elle s'arrête pas. Pourquoi elle fait ça, la voiture? Donc là, on va passer devant un arrêt de train. Voilà. Donc les trams, il y a des portes des deux côtés, côté gauche, côté droit. C'est pour ça que là, vous allez voir, voilà, l'arrêt en plein milieu. Et c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo. Mais ceux qui ont joué à Cécile et Valais sur Bus 21 en décembre jusqu'à 16 mai 2023, dans la décembre, j'ai une mission qui s'appelle Nextop, vous avez pu voir qu'il y avait des petits trottoirs, par exemple le Rivière. Et ben en fait, sachez que ces trottoirs, c'était évidemment pour les trams. Astragon avait préparé selon le terrain en mettant déjà les trottoirs, tout ça. Mais avec la mission Nextop, ils ont rajouté les arrêts de trams. Alors on peut déjà les s'en servir, mais il faut que le TLC tram. Voilà, ouais, j'ai pas réussi à capturer le truc. Alors que. Ouais, il y a la nouveauté. Bah, en même temps, je crois que j'ai pas remarqué que j'avais été prêt. Je sais pas, j'ai pas remarqué, j'ai pas fait gaffe. Là, il y a une petite nouveauté. Bon, regardez, c'est une arène. Mais désormais, vous pouvez régler la vitesse de prix pour plus maintenant 18. Pour ceux qui vont revenir à l'ancien système. Si vous voulez qu'il pleuve tout le temps, il pleut tout le temps. Même que ça soit automatique. Là, on fait ça. Vous voyez, on a n'importe pire. Ça marche que quand vous réglez sur. Pas de dynamique, sinon ça marche pas. Et l'heure qu'on voit régler l'heure, ça serait par deux, et non par une minute. Sauf si vous êtes au clavier souris. Je vous montrerai comment on fait juste après. Donc voilà, je vous montre comment je m'arrête. Parce que là, c'est à la manette. Et c'est vraiment pas très très compliqué. Là, je vais vous montrer ma carte en tout cas. Là, on est dans la carte. Hein. Oui, les itinéraires. Donc là, c'est une nouvelle vitesse, mais c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter. Elle n'a pas trop changé par rapport à septembre, c'est le dernier remonté à septembre 2022 et on est le 27 juin 2023, je tourne cette vidéo. Voici la nouvelle carte, la nouvelle carte de mon itinéraire, mes itinéraires quoi. Voilà. Et du coup, comment on fait pour passer au lieu de faire 2 minutes, comme ça. Bah, c'est très simple. Déjà, à la souris, ça semble faire la même chose parce que regardez, ça fait ça. C'est très simple. Il faut aller à la souris, mais pas en cliquant dessus. Vous cliquez n'importe où, comme ça. Et en fait, regardez, on peut régler en 1 minute, comme avant. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et après, pour annuler, bah, vous faites B ou échappe. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. On est bientôt à la voie de Spock, le 56e arrêt. Voilà. Ah, vous sachez que Spock, il y a plein de voitures. Plein de voitures s'arrêtent. Alors, il faut que ça vous mette qu'il y a une voiture qui est bloquée au feu vert. Alors, si au bout d'un moment, vous cliquez là-dessus, la voiture va partir tout seul. Et même s'il y a plein de voitures, vous devez bien klaxonner. Après la voiture va vous entendre comme c'est possible. Mais c'est pas arrivé. Oh là, le deuxième train. Un autre train. Avec un autre clavis derrière. Donc là oui, il y a le bug qui est corrigé parce que le deuxième clavis, il est là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça qu'avec la ligne 1, je sais pas. Non, dans Bus 21, c'est la place maximale. C'est pas dans la vraie vie où tout le monde se colle, tout ça. Non, pas du tout. Dans Bus 21, en fait, tous les passagers doivent prendre la place entre guillemets, les places assises. Et en place de coup, bah, c'est là où il y a un benching. Il n'y a pas d'autres places, en fait, à part pour les joueurs, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'autres places, en fait, pour les benching. Donc, vous vous rendez compte, hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, on va tourner. Voilà, on tourne à gauche. Voilà. Non, on va peut-être s'arrêter à l'arrêt. Non, c'est bon, je
Non, bah, c'est quoi, on va aller au terminus carrément, ça. On va peut-être pas s'arrêter en plein milieu. Après, il y a sous trois arrêts, donc bah, finalement, vous allez voir la vidéo jusqu'au terminus, sinon. Il a pas changé de terminus, mais quand même. Voilà. Hey, watch out! Next week is my class. Mais il y a toujours pas le français pour les langues, hein, voilà. Sur anglais, allemand ou chinois, mais moi il y a chinois pour enfants, ou japonais. Vous voyez, à cet endroit-là, avant il n'y avait que le trottoir, il n'y avait pas les arrêts, et maintenant il y a les arrêts de tram. Donc les arrêts de tram, soit c'est des arrêts bah, comme celui-là, si vous avez un mido, il y a l'arrêt Cipolle Mido, un arrêt de plus sur l'arrêt de tram, soit c'est des arrêts exclusifs. Soit il y a des arrêts exclusifs tram, en mon nombre, pas en. Enfin, j'ai pris tram, donc on ne peut pas s'arrêter aux arrêts de plus. Enfin, dans Angers-Chore, les trams ça deux arrêts de plus, c'est pour ça que c'est balayé. Les bus s'arrêtent qu'aux arrêts de bus et les trams s'arrêtent qu'aux arrêts de tram. Et vous ne pouvez pas faire sortir les trams, vous ne pouvez pas mettre les trams en dehors des rails. Et je ne crois pas que les rangs de garage, en fait, il y a un petit rectangle. C'est balayé de garage. Ou en fait, vous pouvez. Ou en fait, vous mettez dessus et une option si vous voulez arrêter de conduire, ça le fait renvoyer au garage. Et c'est là qu'on le commande. On ne commande pas au garage comme les bus. Les trams, on les commande de la fin. Tiens, je ferai une vidéo où je conduirai un tram dans mon centre d'intérêt quand ça sortira. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder quand elle sortira. Bon, elle sortira qu'en novembre ou en décembre. Mais voilà. Bon, allez, il y a toujours un petit endroit. Il y a toujours des voitures qui bloquent cet endroit. Voilà. Voilà, pour pouvoir, mais normalement, c'était pas le cas. Normalement, c'est jamais. Enfin, normalement, c'est pas censé être le cas dans ma vie, mais bon, je sais pas, sur le cadre, tout ça. Moi, j'ai eu la chance, il y en a pas eu. Voilà. Et oui, également, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis des Urban Way sur la ligne 3, avec des Citaro dans la main, et des Citaro sur la ligne 4, comme les Urban Way sur la ligne 4. Pour la ligne 2, j'ai mis des Urban Way et des Citaro, et sur la ligne 1, toujours les Kratis, sur la ligne tram, forcément que des trams. C'est un peu logique. Bon, allez, c'est parti, on y va. On tourne, donc là, on va vers le dernier rond-point de la ligne. Et ouais. Là il y a les rails, donc les rails. Alors les rails malheureusement ils vont à Astra Park et bah, je vais montrer un peu le prochain arrêt, ça va jusqu'où, mais ah, faut laisser passer les voitures. Ok, on y va. Moi je vais pas utiliser tous les rails, hein, mais moi, dans ma tête j'ai déjà l'itinéraire que je crévais avec le tram. Je ne vais pas vous en dire plus quand même, mais vous verrez quand les trams sortiront. Donc voilà. Là, l'arrêt là, c'est un arrêt de tram. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai trouvé les gars pour pouvoir tourner, enfin, en tout cas dans mes commandes, au clavier souris. Donc, je ne fais juste pas pour moi, c'est pour reculer, ralentir, avancer. Les A et Q, je crois, ou S, je ne sais plus, c'est pour tourner à gauche et à droite. Ah, je sais que c'est pour la gauche, mais Q, S, c'est à droite. Alors, moi, je suis à la manette. Voilà. Sinon, bah, un nouveau bus, il faut utiliser le bus. Je ne suis pas fan. Voilà. Alors, c'est bon. Ah oui, d'ailleurs, il y a un petit bug sur le trottoir. Je sais pas si c'est une fonctionnalité ou pas, mais on peut, vous savez qu'on peut avoir plus de, on peut pas avoir plus de 100 bus, mais moi je sais pas pourquoi. Je peux avoir plus de 100 bus. Vous voyez, j'en ai 101 là. Donc là, je sais pas comment c'est possible, mais je ne sais pas. Mais voilà. Et d'ailleurs, maintenant, quand je suis sur Bus Simulator 21, dans mon entreprise, désormais je spawn plus au spawn. Donc Angers-Chore, c'est le petit garage. Point paumé de la map, à côté de l'extension map qui a été ajoutée, et qui est gratuite d'ailleurs, mais qu'il faut télécharger. Et à cette vallée, je spawn plus ici. En fait, on spawn où on était. Et si on était dans un bus, on spawn avec le bus qu'on était. Donc, si c'était le numéro 3 dans votre liste de bus, là, on sera le numéro 3. Et où vous étiez, exactement comment vous étiez placé aussi. Donc, si vous étiez placé n'importe comment, vous êtes placé n'importe où. Franchement, c'est. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Enfin, cette fonction là, je pense que ça arrivait avec la dernière match. Par contre, le système descend un peu. Je sais pas si c'est la mission encore d'avant ou si c'est volontaire. Parce que c'est vraiment pas. Parce que j'ai demandé à un pote qui est sur PS4, qui joue à Bus Simulator 21 sur PS4, sur PS4.
personnes que j'aime pas. My phone's battery drained again. Et en fait, il m'a dit que bah, la limite de bus, c'est toujours 100 sur PS4. Alors soit on peut avoir plus de 100 bus sur PC, PS5, Xbox XS, et pas sur PS4 et Xbox One, soit c'est un bug. Je ne sais pas. En tout cas, je vous assure que j'ai essayé, j'ai mis plus de 200 bus dans mon entreprise. Ça bug pas, mais ça fait crash mon jeu. Voilà, mais il y aurait une question sur l'itinéraire. Bah bizarre, on m'a pas posé de question. Alors ça, c'est un bug. Vous fermez les portes, vous dites que vous avez ignoré la question sur l'itinéraire, on vous n'avez même pas posé de question. Ça, je n'ai pas du tout compris pourquoi ça fait ça. Et franchement, c'est juste chiant. Vous perdez des points pour rien, et voilà. D'ailleurs, il y a un nouveau mode carrière, donc c'est comme le mode bac à sable. Sauf que vous avez l'argent. Et pas l'argent infini. Vous avez de la vraie argent, il faut jeter. Voilà. Mais le système vous débloque tout comme pas comme ça, il est resté. Donc, je sais pas ce que c'est, mais dans Bus Mator 18. Ah oui, pour les rails. Là, les rails dans tout Astra Park. Sauf là où je suis. Ça va jusque là, ça va pas au port et ça va un peu partout dans la ville. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Enfin là, que ça, quoi. Voilà. Et ça désert pas si Walden et Oakley. En tout cas, voilà, c'était pour dire. Bon, ouais, il y a des. On est très loin du terminus là. Ouais. Donc voilà. On est presque arrivé. Donc, oui, je disais, donc sur Bus Mator 18, donc Karsdat, etc., c'est une extension de map. Sauf qu'il faut payer pendant l'extension de map. Et je l'avais déjà dit, dans Bus Mator 21, cette extension de map. Elle est inclue au jeu, vous n'avez pas besoin de la payer. C'est pour ça que si vous voulez jouer à 15 dates, tout ça, vaut mieux acheter Bus Mator 21, il y a plus de fonctionnalités que Bus Mator 18. Et puis en plus, vous avez l'extension de map gratuite, entre guillemets, et inclue dans le jeu, au lieu de la payer et de la télécharger séparément. Et l'extension map dans le jeu short, quant à elle, elle est gratuite, mais il faut la télécharger. Voilà. En plus, ça y va aller, c'est la map de Bus Mator 18, la map au-dessus d'ailleurs, qui est dans Bus Mator 21. Alors les trams ne sont pas dans Bus Mator 18, ils sont que dans le 21. Donc voilà. Et d'ailleurs, hein, vous pouvez avoir une porte marquée bus détenu 100 et tram possédé. Donc, bah, c'est vrai que ça peut en avoir, mais on peut avoir des trams. On peut en acheter, mais bon, je sais pas comment on fait. Je pense que c'est aussi par là où on a accès au garage. Je pense. Mais après, je sais pas comment on fait pour acheter des trams. Pour le moment, bon, on regardera quand ça sortira. Voilà. De toute façon, c'est dans les fichiers du jeu, c'est activé. Il faut juste, ils ont pas activé la possibilité d'acheter des DLC. Voilà. Bon. Allez, 3058. Voilà. Oh, là, notre bus bateau. Ah, bah, il va au dépôt. Voilà, un beau dépôt. C'est. Voilà. Merde, je roule trop vite. Bah, pourtant, je roule à 50 km/h. Enfin, 57. Je vais pas mettre une amende parce que je roule 7 km/h au-dessus des limites autorisées. C'est rien. Oh, je suis pas du tout. Ah, oui, il y a un bug. Là, ça met comme si j'étais en train de jouer. Bus Mator. Enfin, comme si c'est moi qui conduisais le bus. Mais en fait, après, ça se rectifie. D'ailleurs, pour moi, quand je suis dans la direction Karsdat pour les 1, bah, ça met les deux directions. Et quand je suis en direction d'Astra Park, avec une direction, c'est plutôt sympa. Je crois que c'est disponible. C'est bon, disponible, mais je vais même pas terminer la ligne. Il n'y a plus les arrêts affichés. Bon, je vais quand même aller à l'arrêt, normalement. Quand même. Hein. Voilà. Ah, quand même le terminus. Hein. D'ailleurs, c'est écrit 1. Bah ouais, c'est écrit 1. Ouais. C'est un bug. En tout cas, voilà. Et nous sommes arrivés au terminus où il y a un distributeur, mais on ne peut pas s'en servir. Enfin, juste à droite, là, vous voyez, distributeur. Il n'y est pas, il n'y est pas. Ou voilà. Un urban way. Qui est là. Ok, et bah voilà, on a terminé la ligne. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.